Bonjour à tous, bon midi, je suis Luc de France, bienvenue sur la chaîne Coco, bienvenue dans la nouvelle émission Même Karma, Good Karma, une émission live, made in Coco, pour une occasion unique, celle de profiter à 1000% d'un duo magique que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Elles sont toutes les deux stars de même vigueur, l'une emporte le nom et la noblesse de cœur, l'autre, d'une grande famille d'aristocrates, fille d'un comte et d'une comtesse, fait résonner depuis des décennies sur les ondes sa particule de noblesse, transformée en chiffre 2, 2 comme le duo de légende des années 80, de l'émission Gin Tonic qu'elle conduisit avec vigueur et entrain. Alors c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui et puis d'accueillir dans cette émission Même Karma, Good Karma, ces deux grandes dames qui sont séparées actuellement là, à l'instant où je vous parle, de 5500 km et d'une génération et qui font et refont danser petits et grands devant leur télévision. Alors, sans plus attendre, j'ai envie de vous les présenter. Nos deux amis, nos deux invités, José et Véronique, sont toutes les deux prêtes derrière. Je les ai vus avec leur téléphone en train de faire des photos et de filmer l'introduction. L'une est à Paris, l'autre est au Québec. Elles sont toutes les deux impatientes et donc je vais vous les présenter dès maintenant. Bienvenue à vous deux. Hello, hello. Bienvenue à vous deux. Je suis content de vous recevoir. Comment ça va, José? Ça va vraiment bien et je dois dire, Luc, que votre vidéo d'introduction m'a émue. Je suis émue, je trouve ça touchant de voir du passé comme ça, autant de Véronique que de moi-même. Merci pour cette belle invitation! Très belle introduction, bravo José! Et moi, j'ai filmé, comme ça je l'ai dans la poche! Ah, bah, je vous la passerai, je trouve que c'est un moment exceptionnel. En tout cas, c'est formidable, bravo! Alors, je suis ravi que ça vous plaise. J'ai mis du temps, j'ai mis de l'énergie. Alors, aujourd'hui, c'est une soirée un peu spéciale parce qu'on va justement voir ce que ça veut dire même karma, good karma. Et alors, donc, cette petite émission va se passer en quatre étapes que je vais décrire un petit peu rapidement. Alors, la première, on va parler des premiers pas parce que qui dit karma dit premier pas. On parlera de premiers pas aussi avec José Lavigueur et puis on en parlera aussi avec Véronique, bien que ces pas sont des pas de géant, vous verrez. On parlera d'embûches et d'émancipation, on parlera de rencontres et de médiatisation et de consécration, mais aussi de navigation. Alors, vous allez voir pourquoi le mot navigation a du sens. Et tout ça sous l'œil d'un demi-dieu invisible, Maître Karma, roi de l'invisible. Alors, pour commencer, mesdames, ce que je vous propose, même si je pense que la plupart des gens ici vous connaissent, que ce soit à Paris ou à Montréal, j'imagine que tout le monde vous connaît. Alors, en tout cas, moi, ce que j'ai envie, c'est de vous proposer une petite introduction. Une petite présentation, vous êtes toutes les deux ambassadrices, il faut le dire, du corps et de l'aérobic depuis des dizaines d'années. Et c'est dans les mains des sœurs catholiques que la propulsion a commencé. Alors pour Véronique, c'est plutôt ironique puisque Véronique a été celle qu'on a le plus propulsée à l'extérieur à cause de ses effets de bord, quand de son côté, elle, José, bénéficiait d'un support et du confort d'une petite propulsion catholique en or pour ce premier pas de chorégraphie dans sa compagnie de danse. Bien plus tard, c'est par le concours d'un concours, et on va en parler aujourd'hui, que toutes les deux sont passées de l'anonymat au good karma, et ça rime. Depuis, toutes les deux sont devenues animatrices télé, professeurs d'aérobic, de danse tonique tout public, auteurs, conférencières, à vos heures. Elles sont toutes les deux adorées à la ville comme à la scène par un public conquis, par la joie et puis par aussi cet engagement qu'elles ont toutes les deux auprès des enfants prioritaires. Alors, avant de commencer, j'ai envie de vous poser une petite question à toutes les deux. On va passer comme ça un petit moment ensemble, un petit peu dans des allers-retours. C'est vrai que vous avez 10 ans de décalage puisque Gin Tonic a commencé en 81, me disait Véronique tout à l'heure, alors que la première émission pour José et la Vigueur, c'était dans les années 90. Alors, je me demandais José, qu'est-ce qu'avait été l'effet de Gin Tonic au Québec? Est-ce qu'il y a eu un effet Gin Tonic au Québec? Il y a assurément eu un effet parce que déjà plusieurs personnes
avait le câble. Et c'est drôle parce qu'on ne parle pas d'une époque si éloignée, mais les temps ont beaucoup changé. C'est sûr que dans ces années-là, il y avait moins de Québécois qui pouvaient se brancher sur les réseaux français, les réseaux européens. Mais plusieurs m'en parlaient. Quand moi, j'étudiais à l'époque en éducation physique, quand je préparais cette carrière en fitness, parce que j'ai développé une passion pour la danse et pour l'éducation physique. Donc, j'ai combiné les deux. Et les gens me disaient, « Ah, tu devrais faire comme Véronique et Davina. Vous devriez faire des émissions et vous devriez finir sous la douche. » Nous, on était comme, « Oh ouais, hein, qu'est-ce que c'est ça? » Donc, on essayait, on allait voir. Moi, j'avais honnêtement, en toute transparence, nous, on n'avait pas ce réseau, mais j'en entendais beaucoup parler. Et c'est un peu plus tard qu'on a eu accès à la chaîne, je ne me souviens même pas si c'était TF1 ou... En tout cas, c'est un peu plus tard qu'on a eu accès à ces émissions. C'était Antenne 2, disait Véronique. Qui est devenu France 2. Qui est devenu France 2. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est sûr que les gens... en voulait de ce type d'émission. Je pense partout dans le monde, ça a été un mouvement santé, un mouvement libérateur aussi, je pense, qui a été très, très important. Alors, Véronique, une petite question un peu préliminaire, là, parce que la séquence dont parle José, qui est mythique... Elle a fait le tour du monde. Oui. Je pense qu'il y avait des raisons. En tout cas, une question préliminaire pour une séquence qui a été pleine de commentaires. Cette douche, Véronique, pour vous, c'est quoi? C'est la signature visible de votre authenticité naturelle ou c'était contraint forcé tout ça? Absolument pas ça du tout. La vraie vérité, le pourquoi de cette douche, c'est que nous tournions dans un gymnase à Paris avec toute une équipe de télévision assez importante parce qu'on avait beaucoup de caméras, etc. Et la clim est tombée en panne. Donc, on ruisselait de chaleur, etc. Et notre réalisateur, dans le micro, nous envoie, je fais une pause et refaites-vous maquiller, ça va pas du tout, vous êtes trop. On a dit, bon, bah, parfait, on fait une pause. Et moi, j'ai regardé Davina et je lui ai dit, on fait une pause, tu sais quoi? Je vais prendre une douche glacée. Et dans le micro, dans cet énorme gymnase, on entend notre réalisateur, Michel Hermand, qui dit, ah, ok, ben, je viens le filmer. Et moi, je dis, t'es pas cap. Et il est venu avec une caméra à l'épaule, sans lumière et sans micro. Et il nous a filmé comme deux nanas qui se douchent après avoir fait un cours de sport. Il n'y avait rien de voyeur, il n'y avait rien d'extravagant, etc. Et puis on s'est habillé, on est redescendu, on nous a remaquillé et on a continué nos émissions. Et quelques jours après, notre réalisateur nous a téléphoné. Il était dans les grands studios à l'époque qui s'appelaient les Buttes-Chaumont à Paris, très important. Il nous a dit « Je suis en train de regarder les images de la douche ». Je les trouve tellement sympathiques, naturelles, rien d'extravagant. Venez me donner votre accord et vous me dites si vous êtes OK, on les met au générique. Nous sommes allés au Buttes-Chaumont. Effectivement, on a trouvé que c'était hyper sympa. À l'époque, les femmes, elles étaient torse nu à la plage. On se lavait les cheveux sous une douche sur la plage. Il n'y avait rien de fabuleux, d'extraordinaire. Et on lui a dit OK. Et la douche a démarré comme ça. Donc, ce n'était pas du tout monté, prémédité, hasard total. Alors, évidemment, cette douche a fait le tour du monde. Elle a été arrêtée pendant quelques temps parce qu'on avait toutes les organisations de France catholiques et j'en passe et des meilleurs qui disaient « Scandale, il y a deux femmes à poil sous une douche, enlevez ça, enlevez ça ». Donc, notre productrice Pascale Brugnot a pensé que c'était raisonnable de l'enlever. Donc, on a enlevé la douche pendant quelques génériques. Et il y a tellement eu de plaintes de gens qui voulaient « la douche, la douche, la douche », on l'a remis. On l'a remis. Et voilà, donc c'est une histoire qui est amusante, mais en tout cas, elle a le mérite d'être authentique. Et là, on parle de quelle année, Véronique? Notre émission, elle a démarré en 81, fin 81. Elle s'est arrêtée en 87. Donc, c'était de 81 à 84, 85, parce qu'après, on a changé les génériques, mais ça a duré longtemps, hein, très longtemps. La question que je me posais... Je me posais une question, Véronique, parce qu'à l'époque, dans les années 80 et donc en 81, vous lancez Gym Tonic. Mais en même temps, est-ce que vous étiez au courant de Jane Fonda et de ce qu'elle faisait aux États-Unis? Alors, on était au courant, mais pour vous dire, on a démarré un tout petit peu avant Jane Fonda. Donc, parce qu'il y a aussi des papiers qui ont été écrits, oh, elle copie Jane Fonda. Alors, pas du tout. Et pour l'anecdote très amusante, c'est qu'on a été invité à Los Angeles par le staff de Jane Fonda, Workout.
Et nous sommes partis à Los Angeles avec Davina et on a été danser à l'Athletic Club de Los Angeles devant tout le staff. Ils étaient mais 100 ou 200 personnes de chez Jane Fonda. Et on a passé deux jours absolument fabuleux. Ils avaient tous les extraits de nos émissions de télévision. Nous, on avait chargé à mort sur le côté français. On avait des boucles d'oreilles en Tour Eiffel, des casquettes en Tour Eiffel. C'était absolument... Pardon, je coupe ce téléphone. C'était absolument dingue. Et ils nous ont proposé d'aller s'installer à Los Angeles et de travailler dans Workout. Mais le problème, c'est qu'on n'a absolument pas pu parce qu'on avait d'abord des contrats très importants en France, nos émissions qui roulaient, plus tous les droits dérivés qui avaient à coûter, dont il fallait quand même qu'on s'occupe, les poupées, les vêtements, les chaussettes, les bretelles, il y avait un bazar pas possible, donc on a refusé. Mais on a été sollicité par Jane Fonda pour aller travailler avec elle à Workout. Voilà. Vous ne saviez pas, Luc, dans vos recherches. Alors ça, c'est du nouveau. José, de ton côté, l'arrivée de Jane Fonda, c'était donc 10 ans avant que tu commences, toi, Superform. Ça a eu quel impact chez vous au Québec? Un énorme impact. Le premier, je dirais, que c'est le disque. Ma mère avait le long jeu, le vinyle de Jane Fonda qui est sorti avant même son VHS. Là, on parle d'un vinyle où il n'y a pas d'image, bien sûr, mais il y a sa voix sur une musique ennuyante au possible qui décrit des mouvements. Donc, d'accord. On peut voir les croquis sur un espèce de pamphlet qui est glissé dans la pochette. Bref, mais moi, je faisais ces exercices-là parce que ma mère les faisait. Ça m'impressionnait, ce type d'exercice. Et comme je le disais, ben, à cette époque-là, je suis encore dans la danse. Et je suis comme curieuse. Oh, là, du fitness combiné à de la danse, j'aime ça. Et c'est le moment où je commence à m'intéresser à l'éducation physique. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une espèce de mariage parfait. Mais c'est drôle, Luc, parce que Véronique parle de Jane Fonda. Moi aussi, j'ai eu la chance de la rencontrer. Tu vas dire que c'est fou comment il y a vraiment plein de trucs identiques. Ça me renverse. Moi, c'est pas de la même façon, par exemple. C'est moi qui est allée vers elle dans un congrès d'entraînement qui avait lieu à San Diego. Ah, je peux pas vous dire la date, mais elle était honorée à ce moment-là. Et j'étais allée la rencontrer, j'étais allée la saluer. On a eu peut-être 4 minutes de discussion ensemble, mais je vais toujours me rappeler de ce moment. C'est génial. Est vraiment généreuse. Et elle a eu la présence, elle a eu l'intelligence qu'on connaît de toute façon, de me dire bravo, de me dire que je faisais un travail important. Et ça, c'était très connu. Elle n'avait aucune idée de ce que je faisais. mais elle me faisait confiance, elle me croyait. Et elle avait même dit à une personne de son staff de commander un DVD que je faisais. Je sais pas si je n'ai jamais eu de suivi, mais je trouvais ça très gentil. On m'a envoyé le note de DVD, on n'a jamais eu de suivi non plus. Non, c'est ça. Alors, j'ai une petite citation pour commencer dans cette exploration du good karma. C'est une petite citation de Lao Tzu que connaît très bien José, qui dit « Un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas ». Et alors, donc, on va parler des premiers pas. Et alors là, je me tourne vers Véronique parce que j'ai une question à vous poser, Véronique, qui m'a beaucoup, justement, interpellée. Je me suis dit, dans cette enfance, avec du recul, vous étiez une crapule ou juste une impatiente d'être grande ? Une crapule. J'étais très, très dissipée, très dissipée. J'étais chef de bande à l'école. J'étais renvoyé de toutes les écoles religieuses possibles et imaginables. Et j'en faisais voir des... C'était horrible. Voilà, donc j'étais très dissipée. Et alors, dans la relation avec vos parents, comment ça se passait, cette dissipation constante? Ça se passait... D'abord, j'avais des parents exceptionnels. J'ai eu une enfance très, 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 très heureuse avec des parents fabuleux, une famille formidable, des frères magnifiques. Et je suis très famille. Donc, avec, entre parenthèses, un père très, très sévère. C'est-à-dire que c'était... on n'avait pas droit à l'erreur. Déjà, je vous voyais mes parents. Donc, ça veut dire que déjà, on ne peut pas leur dire « merde, c'est impossible ». Et avec un père très sévère, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est génialissime. Moi, je le remercie tous les jours. Je trouve que les enfants sont très mal élevés, mais ça, c'est mon point de vue. Je suis très sévère avec les autres et avec moi aussi. Donc voilà, donc une enfance magnifique, un père très sévère, une maman qui a rangé tous les coups quand mon père gueulait trop fort. Et puis voilà, donc j'ai fait un cursus d'école qui s'est arrêté très vite d'ailleurs, très très vite. Mon père nous mettait la tête à l'envers quand ça n'allait pas, donc c'était facile, hein.
Alors, c'est vrai que je parlais de good karma et que ça commençait par les sœurs catholiques, parce que justement, donc Véronique, elle se faisait virer de toutes les institutions. Et toi, José, en fait, de ton côté, ça a été un pont en or parce qu'elles t'ont vraiment fait confiance. Et donc, raconte-nous cette partie-là. C'est quand même un peu annonciateur de la suite. C'est quand même drôle, mais oui, certaines catholiques, certaines religieuses m'ont appuyée, mais certaines m'ont mis des bâtons dans les roues aussi parce que moi aussi, j'étais très dissipée, Véronique. Je voulais juste danser, je voulais juste sortir des cours et prendre un moment pour aller travailler sur un spectacle qu'on montait. J'étais toujours là-dedans, à l'école secondaire notamment. Mais c'est vrai qu'il y a certaines religions religieuses, et bien probablement des religions aussi, qui appuyaient mon travail. Je pense à une sœur Marie-Carmen, entre autres, que je n'oublierai jamais, qui faisait tout pour m'aider, qui me permettait de réserver des salles sur l'heure du lunch, des salles aussi pour préparer. On avait à l'école que je fréquentais, on avait un magnifique théâtre, mais c'était une espèce de truc trop chic. On n'avait jamais accès. C'est comme il servait à rien parce qu'il était trop beau. On ne pouvait pas y toucher. Mais cette sœur Marie-Carmen nous permettait d'aller répéter là et nous avait permis de monter des spectacles dans cette salle-là. Donc oui, j'ai eu beaucoup d'appui de certaines de ces religieuses. Et il me semble aussi que tu as eu l'appui un peu néfaste, mais autoritaire, d'une autre sœur qui t'a appris l'organisation et l'ordre, c'est ça? De mémoire, elle s'appelait La Liberté, sœur. Enfin, une sœur, La Liberté. Oui. Quand même un drôle de hasard, mais qui nous laissait aucune liberté, qui nous attachait tout le temps. Il fallait réciter une prière le matin en commençant la journée. Moi, ça me tuait. En tout cas, non, ça a été une époque vraiment avec deux versants. Là. Il y a vraiment eu du très heureux et du très malheureux. Pas de dépression, pas de grand calvaire, mais juste beaucoup de difficultés à me retrouver là-dedans. Et c'est drôle parce que, brièvement, sur ma rue ici, j'ai un prof de physique de secondaire 5 que je croise régulièrement. Et lui se souvient très bien comment j'étais capable de faire ma physique. J'avais, on va dire, la tête pour le faire, mais j'avais pas le goût de le faire. Et Jean-Luc, qui s'appelle Jean-Luc, il devait toujours me donner des pauses, me donner des moments, me laisser sortir de la classe, me ramener. Il comprenait. Et j'ai tellement de respect, tellement d'admiration pour les profs qui comprennent, les profs qui sont capables de faire la part des choses et de comprendre que chaque élève est différent, chaque élève ne peut pas avoir le même parcours. Bref, c'est une époque folle, c'est une époque qui m'a fait grandir énormément aussi. Alors, on parlait de good karma, et donc on commence comme ça avec ce petit pas en disant que les sœurs catholiques font leur possible pour Véronique et pour José dans des directions un peu opposées. Et alors, à un moment donné, donc je regardais un petit peu la vie de Véronique, et en fait, dans ce good karma en gestation, on tombe sur l'arrivée de la langue anglaise. Alors, les sœurs ont permis des choses, mais votre père aussi. Alors, c'est quoi l'histoire de l'anglais et de la langue anglaise dans votre vie? C'est-à-dire que comme j'étais virée de toutes les écoles, à un moment donné, mon père était désespéré. Il disait toujours, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Alors, il a eu la très bonne idée de m'envoyer en Angleterre, en Écosse exactement, où j'ai passé un an. Et il ne voulait pas du tout que j'aille dans un collège chic et élégant, etc. Il voulait que je sois sur le terrain comme jeune fille au père, dans une famille. Je suis donc partie dans cette famille, j'ai appris l'anglais. Et quand je suis revenue, ma maman était très, 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 très proche des Sœurs Carita, qui était le salon de coiffure à l'époque où allaient toutes les têtes couronnées, les stars de cinéma. Et elle a dit aux Sœurs Carita, j'ai une fille qui est plutôt mignonne, très dégourdie, elle parle l'anglais. Et les Sœurs Carita ont dit, hop, on la prend comme hôtesse, envoyez-la nous. Donc, je suis arrivée chez Carita, dans un salon de coiffure absolument incroyable, Faubourg Saint-Honoré, et j'étais hôtesse. Et en 3 mois, je suis devenue chef des têtes couronnées. Alors, j'étais la reine du monde. Je me souviens, l'impératrice Faradiba, la princesse Anne, la reine Fabiola, mais c'était assez impressionnant. Et j'étais partout, à droite, à gauche, et j'avais deux amis avec qui j'étais devenue amie. J'avais 17 ans à l'époque. Donc, je n'avais pas mon permis de conduire, qui est ma base dans mes repères d'années. Et j'étais très amie avec Mireille d'Arc et Françoise d'Orléac. Françoise d'Orléac, qui est la sœur de Catherine Deneuve.
Et c'est Françoise qui me raccompagnait chez moi le soir. Elle venait presque tous les jours faire un coup de peigne. Et elle me raccompagnait avec sa petite Austin. Et voilà. Et un jour, Mireille Darc était à la caisse de chez Carita, en train de payer sa facture. Et une Anglaise américaine était en train de dépatouiller sa facture. On m'a appelé, on m'a dit, on ne comprend rien de ce que veut cette dame. J'ai fait bon, 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 ok, voilà, c'est réglé. Et Mireille Darc m'a regardé. Elle m'a dit, mais c'est incroyable, tu parles bien l'anglais. Écoute, moi, je cherche une assistante exactement dans ton style. Démerde, rapide, dégourdie. Si tu connais dans toutes tes amies, tu en connais une, hop, tu me l'envoies, mais c'est rapide parce que je pars tourner au Liban. Et je l'ai regardée devant tout le monde. Hein. Je lui ai dit, regarde bien, elle est là. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, ça veut dire quoi? Mais j'ai dit, l'assistante que tu cherches, c'est moi? Et elle m'a dit, mais non, tu n'as pas compris, je pars en tournage, je pars au Liban 4 mois, après je pars à Hong Kong. Mais j'ai dit, mais oui, il n'y a pas de problème. Il faut juste faire gober la pilule à mes parents, comme vous le disiez tout à l'heure, le comte et la comtesse de Villèle, mais qui au moins avaient ce joli titre, mais étaient extrêmement modernes et fabuleux dans la vie et fabuleux avec tout le monde. Ils ont reçu Mireille, ils l'ont trouvée très bien. J'avais dit à Mireille à l'époque, et c'était on la voyait beaucoup avec le dos dénudé, etc. Et je lui ai dit, s'il te plaît, tu viens avec un col roulé. Et elle est venue avec un col roulé chez mes parents. Et puis voilà, puis l'aventure a duré 50 ans. En tout cas, donc l'anglais en fait arrive parce qu'on ne sait pas quoi faire de vous. Et finalement, on vous envoie dans le pays qui va vous permettre plus tard d'avoir l'atome crochu nécessaire avec Mireille Darc. C'est quand même une sorte de good karma qui s'installe. Oui, ça c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Alors, José aussi, elle a un truc assez rigolo que j'ai découvert en écoutant plusieurs interviews d'elle que je ne savais pas. C'est qu'en fait, au départ, elle n'était pas du tout dans la bonne direction parce qu'elle était dans les lettres. Et c'est parce qu'il y a eu 2 ans d'ouverture à l'Université de Montréal qu'elle a réussi à passer des lettres à l'éducation physique. Raconte-nous ça, José. Ah, t'as coupé ton micro. Pardon. Il y avait un hélicoptère qui passait, j'ai fermé le micro. c'est un lien direct avec le good karma dont tu parles. C'est drôle parce que oui, je suis en lettres, je suis en art et lettres. Donc, j'ai beaucoup de théâtre. Parce que je suis convaincue à cette époque-là, j'ai 16-17 ans, je suis convaincue que je vais faire une carrière de danseuse ou en comédie musicale, ce qui serait pour moi le rêve ultime. Mais là, je me rends compte avec les auditions que c'est très difficile, que c'est beaucoup de pression et j'en ai plus envie. Et à un moment donné, j'entends que le bac en éducation physique est ouvert à tous. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des études en sciences de la santé pour rentrer au bac en éducation physique. Et moi, ben, comme j'étais en arts et lettres, je n'avais pas mon diplôme d'études collégiales. Ici au Québec, on doit faire ça avant l'université. Donc, je ne l'avais pas en sciences de la santé. J'ai appliqué en éducation physique. Je suis rentrée dans une petite fenêtre qui a duré, comme vous le dites, 2 ans, je pense. Et ça a changé ma vie. Donc, encore là, oui, il y a beaucoup de travail. Oui, il y a énormément de passion, de dévouement. Mais il y a aussi du bon timing, ouais. Je le trouve. Il y a du bon timing, mais je me suis posé une question, José, parce que je n'ai pas compris. Sur le coup, tu aurais pu très bien choisir d'aller dans la danse et de continuer avec la danse. Pourquoi tu as bifurqué comme ça vers l'éducation physique à l'UQAM? Et c'est passé un truc de fou qui ressemble un peu au film Flashdance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, l'actrice principale, son nom de personnage, c'est Alex, elle s'en va faire une audition, elle rêve de danser, elle s'en va faire une audition dans une grande école de ballet, mais elle regarde à droite, elle regarde à gauche, elle regarde le style des danseuses qui s'en vont auditionner à côté d'elle et elle ne se reconnaît pas, elle ne reconnaît pas, elle a l'impression d'être entourée de riches nanas et elle ne sent pas, tu sais, elle ne trouve pas qu'elle fit dans le décor. Et c'est un peu ça qui m'est arrivé quand j'ai fait les auditions pour le bac en danse et pour aller un peu plus loin dans le domaine de la danse. J'ai trouvé ça très, très dur. J'ai senti une pression encore plus grande. C'est un milieu où il y a beaucoup, beaucoup de pression. C'est un milieu que j'adore, mais où il y a énormément de pression et de comparaison. Et bon, bref, je me suis dit, OK, je vais faire les demandes aux 2 départements et je verrai ensuite. Et le karma m'a poussé fort parce que j'ai été acceptée dans les 2 programmes et j'ai vraiment dû faire un choix. Il y a quelque chose, il y a une petite lumière qui m'a dit, écoute, va faire quelque chose de plus, va chercher une autre corde à ton arc, va placer une autre corde à ton arc, parce que le bac en éducation physique me permettait justement d'explorer
cette nouvelle tendance du fitness lié à la danse, de la danse aérobique. Tu sais, c'était comme pour moi, je sentais qu'il y avait quelque chose de très, très intéressant pour moi. Mais tu sais, Luc, juste avant de bifurquer vers l'éducation physique, j'ai fait des auditions ici au Québec pour le show Cats, que vous connaissez assurément. La troupe américaine de Cats cherchait à former une troupe canadienne et je m'étais rendue jusqu'à la fin des sélections pour faire le rôle du chat siamois, de la chatte siamoise. Ça m'avait tellement, tellement honorée. Alors là, on m'annonce que, bon, ben, you are on the, tu sais, la liste des chats siamois, nanana. Et je fais comme, OK, c'est ça, ma vie, ça va être ça. Mais finalement, je n'ai jamais eu aucune nouvelle de ça. Et ça, vraiment, je pense que ça a aidé ma décision aussi. C'est comme, c'est toujours le rêve, c'est toujours l'attente. Je n'avais pas envie de ça. Mais il y a aussi Nathalie Lafleur. J'ai entendu parler d'une Nathalie Lafleur qui a eu fait beaucoup pour toi pour que tu décides aussi sur l'aérobic. Alors, ça, c'est aussi un signe, tu trouves? Oui. Ce qui est très drôle, c'est que vous me parlez de Nathalie Lafleur et je vais la voir ce soir même, jour qu'on a... C'est vraiment une coïncidence folle. Ça fait un an, depuis le début de la pandémie, qu'on ne s'est pas vu. Donc, c'est très drôle que vous me parliez de Nathalie. Oui, Nathalie me connaissait depuis l'école secondaire, depuis cette école où il y avait les fameuses religieuses. Et c'est elle qui travaillait dans un centre de conditionnement physique qui me retrouve au bac et qui me dit « Mais José, tu as tellement aimé danser, je t'ai tellement vu danser tout le temps, tu serais intéressée par l'aérobic. » Et c'est comme ça que je suis allée voir ce que c'était, explorer ce que je pouvais faire et j'ai commencé très rapidement, oui, grâce à Nathalie Lafleur, grâce à Nat. On la salue, même si je ne la connais pas. En fait, tout à l'heure, je vous parlais de gestation de karma. Alors, Véronique, je reviens vers vous parce que par rapport à la gestation de karma, on vous dit qu'à un moment donné, on ne veut plus de vous dans n'importe quelle école. En même temps, il y a un élément incroyable qui se passe et dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est que dès le départ, vous êtes sur les bus, vous êtes sur les devantures, on vous voit partout en photo parce qu'il se passe un truc avec Kodak. Vous pouvez nous expliquer ça? Quand j'étais petite, j'étais très mignonne. Et j'ai été choisie tout à fait par hasard, un jour avec ma mère dans un magasin, par le Kodak. Et je suis devenue leur égérie, mais j'étais toute petite, j'avais 7-8 ans. Donc les photos de cette petite fille blonde avec un ballon qu'on voyait sur tous les culs d'autobus et sur les abribus et partout dans Paris, en maillot de bain, c'était moi, petite fille. Et un jour, c'est tombé sur le bureau d'une des religieuses, pour ne pas les citer, de la rue de Lubeck, et qui ont convoqué mes parents et qui ont dit « Non, non, là, franchement, c'est pas possible. On ne peut pas avoir une petite fille dans notre institution en maillot de bain dans tout Paris. » Donc, j'ai été virée. Pour une fois, ce n'était pas pour de la discipline. C'est aujourd'hui, quand on pense à ça, c'est juste incroyable. Incroyable. Ouais, j'ai fait beaucoup d'autres photos et beaucoup d'autres campagnes publicitaires, mais celle-là était assez connue. Mais en réfléchissant aussi à cette histoire de good karma, il y a un moment donné, je suis tombé sur une question que je vais vous poser, qui me semble évidente, mais en même temps, peut-être que votre réponse va avoir son petit pesant d'or. C'est quelle est l'influence de l'amour que les parents nous portent sur l'évolution et les possibilités de carrière qu'on a? Alors vous, Véronique, vous êtes quand même une enfant qui a quand même son caractère. Votre père, qui est quand même assez dur, il vous envoie un peu de force, ou peut-être pas de force, mais il vous envoie un peu loin. Est-ce que vous pensez que c'est l'amour qu'on vous a porté qui a eu ce point de bénéfice sur la suite de votre vie? Franchement, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que l'éducation que j'ai reçue, elle était formidable. Et mes frères ont reçu la même. Et ça n'a pas influencé quoi que ce soit. Moi, j'ai eu des hasards de chance dans la vie qui sont d'un parcours incroyable. J'arrive chez Caritas, je tombe sur Mireille Darc qui me dit « Je pars au Liban demain, tu viens avec moi. » Après, j'ai rencontré tous les plus grands, immenses acteurs qui soient possibles et imaginables. J'allais dans la loge de Jean Gabin parce qu'il voulait voir que moi pour lui apporter un café. J'allais, bon, avec Alain Delon, bien sûr, c'est devenu une énorme amitié qui dure depuis plus de 50 ans. Et je suis toujours aussi aujourd'hui très, très proche de lui. Et puis voilà, j'allais dîner des pâtes chez Lino Ventura. J'étais sur le tournage d'Alain Delon dans la piscine avec Romy Schneider. Donc tout ça, je l'ai vraiment vécu. Alain et Mireille m'ont considéré comme leur sœur, leur petite sœur. Donc je m'occupais beaucoup de choses pour eux, mais en même temps, je faisais partie de la famille. Et ils faisaient partie de ma famille aussi. Moi, mes parents adoraient Mireille et Alain aussi. Donc voilà, donc j'ai eu un parcours qui était incroyable. Je n'ai jamais rien demandé et des choses sont arrivées, mais des choses que j'aimais faire. Moi, j'étais folle de sport, dingue de sport. Je faisais de la compétition de tir au pigeon d'argile
J'ai fait les championnats de France. Et d'ailleurs, petite anecdote avec Alain Delon, tous les jours, j'étais à son bureau, et tous les jours, à midi, dans l'heure de pause, je partais à Bois d'Arcy, dans un grand centre de tir, et j'allais tirer. Mais à force de tirer, quand vous tirez beaucoup, beaucoup, j'avais un triangle violet sur la joue, avant de monter le fusil. Et Alain, un jour, me dit, mais c'est quoi ce truc? T'as une joue toute rouge. Ben, je lui dis, mais Alain, tu sais, je tire beaucoup, je m'entraîne pour les championnats de France. Il m'a dit, OK, demain, je viens avec toi, je veux voir à quoi ça ressemble. Il est venu et il m'a dit, mais c'est génial ce truc. Je veux absolument que tu me fasses la même installation chez moi, dans ma maison, à Douchy, où il habite toujours aujourd'hui et où le stand de tir est toujours présent. Et j'ai fait un stand de tir, mais c'est un truc olympique. Parce que je lui ai dit, bah, tu sais, quand un particulier fait un stand de tir chez lui, il met des petites cabanes, des petites huttes, un lanceur dedans, on dit « poule !» et hop, on va, et les pigeons d'argile s'en vont. Mais du coup, moi, j'ai des petites cahutes, mais ça ne va pas, non? Je veux l'installation olympique, celle où je t'ai vu tirer hier. Et voilà, donc ça, j'ai beaucoup, beaucoup d'anecdotes comme ça à raconter sur mon parcours avec lui, avec Mireille, et des histoires extravagantes, extravagantes. Ah, c'est savoureux, c'est savoureux. C'est délicieux. On va revenir vers ça d'ailleurs. Mais tu vois, José, j'ai entendu une interview de toi où tu disais mot pour mot que tu t'étais senti une pourrie gâtée avec l'amour qu'on pouvait porter entre toi et tes parents. Alors, j'aime bien le mot pourrie gâtée parce que je suis sûr que c'est un truc de chez vous et qu'il ne faut pas le prendre comme ça. Pourrie gâtée. Mais alors, c'était quoi là, l'amour que vous aviez entre vous dans cette famille? Ah, écoute, c'est fou, Luc, parce que tu le dis simplement et ça m'émeut. Parce que c'est... parce que le temps passe, parce que le temps file, parce que mes parents vieillissent, mais ils sont... Mon Dieu, je m'excuse. Ils sont encore avec nous. Ils sont encore très présents. On les voit souvent, 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 mais... Quelle chance! Ah oui. D'ailleurs, pour nous au Québec, le week-end dernier, c'était l'Action de grâce et c'était, pour moi, l'Action de grâce, c'est la gratitude envers ma famille, envers mes parents qui m'ont tout permis, qui m'ont laissé tout essayer malgré un style de vie très... je peux même pas le nommer parce qu'on n'était pas pauvres, on était... bien, on était super bien. Mes parents ont bûché très, très, très fort parce qu'ils ont eu un gros pépin quand j'étais toute petite. Ils ont perdu beaucoup d'argent à cause d'une chirurgie que j'ai dû avoir et donc ont bûché très fort. Mais je n'ai jamais senti ça. J'ai su cette histoire-là quand j'avais 25 ans parce qu'ils n'ont jamais voulu que je me sente coupable de certaines difficultés qu'on a eues, du fait qu'on a laissé un appartement pour un plus petit avec mon grand-papa, tu sais. Mais pourtant, j'étais gâtée pourrie. Le terme au Québec, Luc, qu'on utilise beaucoup. Il utilise ce terme, lui. Gâtée pourrie d'amour, gâtée pourrie de présence. Et encore aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose de tellement précieux. C'est la chose la plus importante au monde, la famille. C'est quelque chose que j'essaie, mais que je pense transmettre à mes filles aussi. Mais oui, j'ai pas les bons termes, mais oui, j'ai été gâtée pourrie d'amour. Alors, moi, je crois que depuis que la chaîne Coco existe, j'ai pu interviewer assez de personnalités inspirantes pour dire que Good Karma, c'est un peu comme une noix de coco. C'est-à-dire que c'est dur au début et c'est doux qu'à l'intérieur. Et donc, a priori, de Good Karma à Noix de Coco, j'ai envie de poser la question. Alors, j'ai commencé par toi, José. J'ai juste posé une question. En fait, qu'est-ce qui a été dur pour toi avant que tu te retrouves à la télévision? Qu'est-ce qui a été dur? Ça, c'est dur. ce qui a été dur, je pense que c'est la pression dans le milieu de la danse. Ça a été très dur. Je dirais que j'ai grandi et même j'ai vieilli et même je trimballe encore aujourd'hui assez régulièrement un syndrome de l'imposteur qui est très fort. Je ne sais pas si Véronique, vous connaissez ce syndrome, mais alors toute ma vie, même si j'étais dans le grand bonheur de choisir moi aussi, d'aller toujours vers des activités ou des tâches qui me plaisaient, qui m'intéressaient, j'avais quand même toujours l'impression
de ne pas être tout à fait à ma place. C'est très étrange. Ça m'arrive encore aujourd'hui. C'est moins fort, mais quand je vis des moments comme celui que je vis en ce moment même, je suis là à discuter avec Véronique de Villèle, avec Luc de France. Je rencontre une icône internationale du fitness et je me dis, mais comment j'ai fait pour en arriver là? Comment j'ai fait pour mériter ça? J'ai toujours ce petit truc-là, ici, là, qui... Et puis, en même temps, j'ai l'autre qui fait comme, mais tu le mérites, t'as travaillé fort! Tu sais. Évidemment, évidemment. Mais c'est, sinon, je ne saurais pas dire, Luc. Parce que quelque part, je me posais une question quand même, quelque part dans ce milieu-là, on ne t'attendait pas. Enfin, je veux dire, c'est un milieu difficile, ce milieu qui est celui du sport en général. Alors, comment tu as fait tes armes? Parce que tu es quand même d'une famille où les gens s'aiment, pas où les gens se mordent. Alors, comment tu as fait? En fait, c'est que c'était pas un objectif pour moi. C'était pas clair ce que je voulais faire. Quand j'étais au bac en éducation physique, dans ma tête, je devenais prof d'éducation physique et ça m'interpellait beaucoup, ce changement de carrière. J'avais envie de, en étudiant l'éducation physique et en constatant à quel point on pouvait changer des vies avec ces notions tellement essentielles, j'ai eu un plaisir géant à enseigner l'éducation physique au niveau collégial pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il y ait ici au Québec une réforme épouvantable en éducation et qu'on coupe les cours d'éducation physique. Et à ce moment même, en 94, à ce moment même, il y a une offre d'un réseau de sport ici au Québec qui vient vers moi, qui me dit « Tu viens de remporter un championnat en danse aérobique qui s'était passé dans l'Ouest canadien. On aimerait ça faire une émission avec toi. On ferait la tournée des Clubs Med, on tournerait des émissions sur les plages. » Et évidemment que c'était inspiré de Gym Tonic. Et là, ben moi, je fais, mais mon Dieu, le timing, encore une fois, est juste parfait. Mais oui, j'embarque. Et c'est pour ça qu'il y a eu la transition. Bravo. Merci. La transition, c'est vraiment faite comme ça. C'était un timing de fou. Cette compétition m'a donné une visibilité auprès de producteurs. Le moment est arrivé de produire des émissions de workout. Et avec ces émissions-là, je me suis retrouvée sur le plus grand réseau ici au Québec qui s'appelle TVA, pendant 21 ans, à faire des chroniques de conditionnement physique, à donner le goût aux gens de bouger. Mais mon but, ça n'a jamais été d'être à la télévision. Pour moi, c'est pas... Il y a des gens qui en rêvent, il y a des gens qui rêvent d'être connus. Jamais, ce n'était pas mon rêve non plus. Voilà, c'est ça. C'est comme si on avait une mission, une passion qui nous a amené une certaine visibilité et qui fait qu'encore aujourd'hui, les gens me connaissent. Mais pour les bonnes raisons, et ça m'enchante énormément. Quand les gens, par exemple, ça doit arriver régulièrement, Véronique, au resto, à l'épicerie, « Ah, vous avez eu cette influence dans ma vie, je veux vous dire merci. » Mais ça, C'est magnifique. Tous les jours, c'est ça. C'est fou, c'est extraordinaire. Ouais, moi, j'ai ça tous les jours aussi. Alors, tout à l'heure, avant l'émission, je parlais un petit peu avec Véronique avant que José t'arrive. Et alors, je m'étais tenté une petite expérience d'aller lui poser la question avant sur les embûches. Et donc, comme réponse, j'ai eu bûche de Noël et pas embûche. Alors, j'ai quand même posé la question en direct. Alors, chère Véronique, c'est comme si je ne vous avais pas posé la question, mais quelles ont été les embûches de votre vie en réalité? Alors, je réponds avec mon cœur et exactement de la même façon que tout à l'heure. Je n'ai pas eu d'embûche. C'est vrai que je n'ai pas eu d'embûche. Tout était assez facile. Tout s'est fait naturellement. L'école, les Sœurs Caritas, Mireille d'Arc, les tournages, les films. Après, j'ai fait un peu de films, moi, en tant que, entre guillemets, comédienne. Bon, je n'ai pas fait beaucoup de choses, mais ça m'a beaucoup amusée. Et la télévision, qui a été pour moi un tremplin et quelque chose d'extraordinaire que j'ai adoré faire. Alors, j'ai écrit des livres, plusieurs. Et donc, à chaque fois, je suis invitée sur les plateaux de télévision. Donc, je n'ai pas vraiment quitté le monde de la télé. Moi, ma vraie passion, avant même la télé, c'est la radio. J'adore la radio. À la radio, je suis extrêmement à l'aise. J'ai, paraît-il, une voix qui passe. Donc, voilà. J'ai fait des émissions sur RMC, j'ai fait des émissions sur Europe 1, sur RTL, sur Sud Radio, récemment, pendant 2 ans. Et à chaque fois, j'ai été passionnée par ça. Alors, c'était Véronique et Davina en forme. Après, j'ai fait beaucoup de choses toute seule. Donc, c'était les conseils de Véronique sur la santé, la vitalité, le nanana.
Et ça, c'est un sujet que je maîtrise assez bien. Et d'ailleurs, je l'ai très bien fait. Enfin, j'ai adoré le faire, en tout cas, à la radio. Donc, des embûches, franchement, je suis désolé, cher Luc. Je n'en ai pas. Désolé. Petite anecdote, parce que je suis sûr que Luc va me le dire. Donc, je vais le faire avant qu'il pose la question. Luc, mais comment avez-vous connu Davina? C'était question après. Je réponds, j'étais très amie avec une chanteuse que peut-être tu connais, José, qui s'appelle France Gall. Mais oui. C'est quelqu'un de formidable que j'adorais. J'étais très, très, très proche d'elle, de son mari Michel Berger. Après, je me suis mariée, donc nos deux maris étaient très amis. Donc, on passait nos vacances ensemble, etc. Et un jour, France me dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Il y a une femme qui donne des cours de danse contemporain, classique, à l'église américaine de Paris. Tu veux pas qu'on aille essayer, qu'on aille voir la tête qu'elle a? Je lui dis, bah, si tu veux, génial. Et nous sommes partis. Imaginez Michel Berger dans sa bagnole devant l'église américaine avec mon mari, les garçons, les bras croisés qui attendaient. Et nous, on a pris ce cours et on a trouvé que c'était dingue. Et la femme en question, on l'a trouvée très sévère, très rigide. On s'est dit, bah, non, ça rigole pas tous les jours, pas de sourire, rien du tout. Mais un cours, mais fabuleux, fabuleux. C'était Davina. Donc, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup avec elle. Et après, elle m'a dit, écoute, moi, je pars danser à l'opéra. D'abord, en Suisse, elle préparait un très grand concours en Suisse qui était représenté par 365 compagnies. C'était le grand prix de danse, machin, nana. Et on est parti. On a fait des répétitions. Elle m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Et on va répéter. Le ballet s'appelle Les Mouches. Et Les Mouches, c'était des battements d'ailes. On rentrait sur scène avec les battements d'ailes. On est parti, on est revenu et on a été engagé tout de suite par Claude Bessy, directrice de l'Opéra de Paris, danseuse étoile, pour aller faire ce ballet à l'Opéra de Toulouse, qui est un opéra absolument somptueux. On est parti, je crois, 3 semaines, ou assez longtemps. On a dansé ce ballet et il a eu tellement de succès qu'on est parti le danser partout, à droite, à Zurich, à Londres, etc. Mais ah, ça, c'était une aparté. Par rapport à mes cours de gym que je continuais de prendre avec Davina, on a loué des sous-sols, on a loué des studios, on avait tellement de monde, mais un monde, un monde. Les gens faisaient la queue pour prendre nos cours. On était rue Nicolo, il y avait une anecdote, quand les gens passaient rue Nicolo à l'angle, c'est très connu à Paris au Trocadéro, et ils voyaient la queue, ils disaient « Ah, c'est les deux dingos qui donnent leurs cours dans le sous-sol. » Et les deux dingos, c'était Davina et moi. Et après, bon, on est parti. Aujourd'hui, j'enseigne beaucoup et c'est un énorme bonheur pour moi. Je suis dans une chaîne qui s'appelle Les Cercles de la Forme. C'est des très beaux clubs à Paris et j'enseigne tous les jours. Et j'ai un monde, mais un monde. Je ne sais pas si tu regardes, José, ma page Facebook le matin. Oui. Pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, c'est le vrai bonheur. Je les prends en photo, toutes mes élèves, dans les exercices. Je gueule beaucoup, beaucoup sur le pied en dehors, la hanche qui se déboîte, les épaules, le nana. Et je les prends en photo. Et dans la seconde qui suit, quand je suis partie du cours, je mets les photos sur ma page Facebook. Et là, je sais que ça leur fait tellement plaisir. Il y a des commentaires, mais d'une gentillesse absolument incroyable. Un jour, j'ai pas mal de médecins qui prennent mon cours. Et il y en a une qui m'a fait un compliment que j'adore. Elle m'a dit, Véronique, vous êtes le meilleur médicament du monde. Ben oui. J'ai trouvé que c'était formidable. Mais voilà, c'est formidable. Le fait d'enseigner et d'avoir ces cours tous les jours, encore aujourd'hui, malgré mon âge avancé, mais je pense qu'un professeur de Barreau-Sol, qui est ma spécialité, peut donner ses cours jusqu'à 100 ans. Avec une canne, il rentre dans le studio, il dirige, etc. Donc, je n'ai pas trop de soucis avec ça. Tant qu'il y a du monde et tant que les gens sont heureux, moi, j'ai absolument besoin, mais ça, c'est vital pour moi, d'apporter, de donner du bonheur aux gens. C'est obligatoire. Que ce soit des enfants, les personnes âgées, là, dans le groupe Beau Soleil dans lequel je suis engagé depuis maintenant 3 ou 4 ans, ce sont des résidences services seniors et les gens m'attendent, mais comme si j'étais Madonna quand je viens. Alors, je leur fais une petite conférence sur le bien-être, le comment bien vieillir, etc., etc. Et après, je leur ai préparé, pour des personnes âgées, hein, très âgées, assises, que des exercices à faire dans un fauteuil. Et j'ai écrit un petit livret qui s'appelle « La gym by Véronique pour Beau Soleil », dans lequel ils retrouvent les exercices. Ah oui. Ça a un succès, mais de dingue. Alors que je pourrais faire ça en disant, bon, ça c'est amusant, maintenant j'arrête. Moi, je ne peux pas arrêter. Tant qu'on ne me dit pas, il faut arrêter, je n'arrête pas. Mais tombe bien parce qu'en fait, grâce à Véronique, on a fini l'émission en 3 secondes parce qu'elle a répondu absolument à tout. Alors, en fait, OK, bye. En fait,
Justement, José, moi, justement, c'est un petit peu le chaînon manquant de ce que disait Véronique. Donc, alors, Véronique, les embûches, c'est plutôt une bûche de Noël. Mais en fait, toi, José, comment ça s'est passé? Parce que toi aussi, il y a eu ce concours. Et c'est ce concours qui te fait rencontrer, finalement, la suite de ton histoire avec RDS. Alors, ça a commencé comment, cette histoire? Parce que, donc, il y a le concours et puis quoi après? Ben, en fait, ça revient un peu à ce que je racontais tantôt. Mais ce concours, j'essaie de me remettre à l'époque. On s'inscrit. Tantôt, tu as parlé de Nathalie Lafleur. Je m'inscris avec Nathalie Lafleur, une collègue du bac, et une autre amie qui s'appelle Diane. On s'inscrit à une compétition de danse aérobique. Certains vont se rappeler du Crystal Light National Aerobic Championship. Il y a encore des images qui roulent sur le web de ça. Il y a des gifs même à partir de... C'était tellement cliché, ces concours-là. Mais en fait, c'était des gros shows télévisés. C'était même Alan Thick à l'époque qui animait ces shows, ces diffusions de la finale. Et la finale canadienne rassemblait des finalistes de toutes les provinces. Et nous, on s'était retrouvés donc dans l'Ouest canadien. On est à Calgary, on est en finale canadienne. Et à la toute fin, on est contre une équipe de Vancouver et une équipe de Calgary. Il faut savoir que nous, on est au Québec, complètement dans l'Est. Et on est un peu David contre Goliath parce que à cette époque-là, dans l'Est du Canada, le fitness était beaucoup moins populaire, beaucoup moins hot que dans l'Ouest canadien. Et on a remporté la médaille d'or contre toute attente. C'était une grande, grande fierté. Il y a eu une tournée médiatique suite à ce championnat. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les producteurs de RDS, qui est le réseau des sports. Et eux préparaient, avaient un concept d'émission à tourner dans les clubs Med. Et on a commencé de cette façon-là. Puis c'est par la suite que je me suis retrouvée sur des réseaux plus, plus importants. Mais je serai toujours reconnaissante. Il y a une boîte de production ici au Québec qui travaille. C'est une toute petite boîte, mais avec des géants, des gens de cœur. Et ça s'appelle les productions Charade. Et ils se promènent partout. Ils sont en Europe régulièrement, sont en France pour des bien émissions. Ils font des émissions de golf maintenant et de ski. Bref, ils sont encore pour RDS. Et c'est eux qui m'ont donné mes premières chances. C'est eux qui m'ont vraiment, qui ont cru en mon talent pour travailler à la télé, parce que c'est tout autre chose hein, de se retrouver à la télé. J'ai commencé avec les émissions de fitness et de workout. Là, j'étais vraiment dans mon élément parce que j'enseignais à des classes comme toi, Véronique. Mais par la suite, on m'a proposé toutes sortes de magnifiques émissions. J'ai un flash d'ailleurs. Vous avez connu en France Fear Factor. Vous l'avez appelé Fear Factor, non? Ah oui, exactement. Et nous, au Québec, on a, TVA a acheté, je pense, en 2002 à 2005, on a eu cette émission qui s'appelait Facteur de risque. D'accord. J'ai eu le grand, grand privilège d'animer en Argentine. Donc, je suis partie 2 années consécutives pour tourner cette émission. Mais là, ça n'avait plus rien à voir avec mon... Mais tu animais, c'est pareil. Là, ça devenait de l'animation. Ouais, c'était extraordinaire comme confiance de la part d'un si grand réseau. Donc, tu sais, c'est beaucoup de... Quand je parlais tantôt du syndrome de l'imposteur, c'est ça aussi. Tu sais, je me souviens d'un matin en Argentine, on se prépare pour un tournage, on est sur une plage, on attend les hélicoptères. Là, tu sais, puis mon partenaire de travail, il me dit... c'est Hollywood, là. Tu te rends-tu compte comme on est chanceux? On est à Hollywood, là. Tu sais, c'est comme, c'était fou comme à quel point c'était des productions géantes. Et il y en a, ici au Québec, en ce moment, depuis quelques années, il y a beaucoup moins de ces grosses productions parce que, bon, ben évidemment, c'est une question de budget. Mais, donc, j'ai été très, très gâtée. Mais tu vois, on a encore un point commun. Tu parlais de tes hélicoptères et de grosses productions. Oui. L'émission de Jim Tony qui a été un succès phénoménal puisqu'on a touché tous les dimanches matin, 12 millions de téléspectateurs. Oh mon Dieu! Réglés comme du papier à musique. Et c'était le dimanche matin, pas à 20h. On avait une production absolument formidable. Alors, on partait tourner. On nous disait, où est-ce que vous voulez aller tourner? C'est l'hiver. Alors, on disait, bon, on voudrait aller à Voriaz. On voudrait aller là pendant le festival. Ils acceptaient tout ce qu'on voulait. On est parti à l'île Maurice. On est parti à l'île de la Réunion. Et petite similitude avec toi, on était en hélicoptère, évidemment, parce que grosse production. Et on nous a amenés pour tourner dans un volcan, on dit désaffecté, je ne sais pas comment on dit, un volcan qui n'était pas en activité. Oui. Très profond. Donc, on était sur le bord de ce volcan et notre réalisateur dit, j'ai une idée magnifique, les filles. Je vais vous faire descendre en hélicoptère au fond du cratère.
je vais vous mettre les enceintes avec la musique sur le bord du cratère et vous allez me faire, là, c'était la fin de l'émission, on appelait l'émission, il y avait la relaxation, la partie de danse, la partie gym, etc. Vous allez danser, moi je vais le filmer d'en haut et ça va être absolument magnifique. On ne s'est pas déballonné, on a dit d'accord. Il nous a descendu en hélicoptère, ça c'est un souvenir absolument inouï, à l'île de la Réunion. Et quand l'hélicoptère est reparti, on était donc toutes les deux seules au fond du cratère. Je disais à Davina, non mais imagine une seconde, l'hélicoptère tombe en panne, il ne peut pas venir nous chercher. Imagine une seconde. Non, pourquoi ? Danser notre truc en ne pensant qu'à ça. Finalement, l'hélicoptère est venu nous chercher. Mais ça, c'était des émissions qu'aujourd'hui, n'ont plus lieu. Moi, tu te rends compte, moi, ça, c'est très vieux, ça a 30 ans, 35 ans. C'était exceptionnel. Wow. Enfin, mais l'hélicoptère, tu vois, j'ai un point commun avec toi encore. Ah oui, c'est ça. Non, ces productions-là nous permettent d'avoir des anecdotes incroyables, là, de vivre des moments vraiment exclusifs. C'est vraiment une chance inouïe de pouvoir faire ces trucs-là. Et comment t'expliques, José, que tu es tellement aimé par ton public? Oh, ça, c'est délicat. Moi, je te le dis tout de suite. Pourquoi? Oui, c'est quoi? Elle est nature et elle est professionnelle dans ce qu'elle fait. Donc, les gens ne se trompent pas. Hein. Les gens, ils ne se trompent pas. On ne peut pas les leurrer. Tu peux raconter une belle histoire à des gens. Si derrière ta belle histoire, elle se casse la gueule, ben, les gens, ils ne viennent plus. Ou dans tes cours, ou à la radio, ou à la télé. Si tu es là et qu'ils voient que tu as mis tout ton cœur pour leur fournir quelque chose, eh ben, ils la suivent. José, c'est une star au Canada parce que les gens savent qu'elle est vraie. Eh ben, je pense, moi je le sens comme ça en tout cas. Ah, c'est tellement gentil. Mais pour moi, la clé, c'est l'authenticité. Ça, c'est sûr. Bien sûr, évidemment. C'est sûr qu'on peut pas, on peut pas faire exprès, on peut pas... Mais de ce que j'entends, de ce que je pense et ce que je crois profondément, c'est la transparence bien sûr. Et l'authenticité. Ouais. Alors, moi, je rajouterais un petit truc que je ne savais pas de toi, mais que j'ai découvert en regardant. Alors, tout à l'heure, dans le décompte, à un moment donné, tu as été ému parce que tu t'es vu jeune en train de faire du step hein, avec une émission. C'était quoi? C'était super forme, cette émission? En fait, c'est peut-être un... Non, si tu parles de l'image de step, c'était un VHS. C'est un VHS. C'est une de mes premières productions VHS. Moi, ce que je parlais comme ça un petit peu. C'est ça. Eh bien, écoute, ce que j'ai découvert de toi que je ne savais pas, que je ne connaissais pas, c'est ton côté leader aussi. Quelque part, en fait, t'es touchante parce que quelque part, on voit que tu n'as quand même pas toujours facilité à tout exprimer, mais tu as un petit côté leader. Est-ce que tu le connais, ce côté leader? Oui, parce que je. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Ça. Il y a comme deux facettes à ma personnalité parce que j'ai un côté très. Très privé, très privé, très gêné aussi. C'est très drôle. Tu sais, comme là, quand on s'installait pour préparer cette rencontre, je voulais être seule dans la maison, je voulais pas que ma fille soit là, j'étais gênée. C'est comme ironique, c'est vraiment ironique. Puis de l'autre côté, oui, j'ai un côté leader que je dois assumer parce que j'ai monté des spectacles très fous. Moi, j'étais une fan, mais finie de Michel Fugain et du Big Bazar quand j'étais à l'école secondaire. Et j'ai monté un spectacle incroyable ici au Québec. C'était un de mes rêves, d'ailleurs, de rencontrer Michel Fugain un jour. La seule chose que j'ai pu faire, c'est me procurer un fauteuil dans lequel il s'est assis. Mais bon, c'est mieux qu'un déjà pas mal. Parce que sa fille a vécu ici au Québec un certain temps. Tu l'as toujours, le fauteuil? Oui, absolument. Et c'est ça, sa fille avait fait un encan lorsqu'elle est retournée en France. Et moi, j'ai mis la main sur ce fauteuil. Mais donc, c'est ça, j'avais vraiment, avec un groupe d'amis, on a vraiment reproduit tout un show du Big Bazar. Nous, on était le Big Bazar. J'avais un Michel Fugain parfait. Et on avait un groupe de chums de gars, nous on dit ça au Québec, des chums de gars qui étaient des musiciens et qui, donc on chantait, on dansait, c'était la totale. Là, c'est... Donc oui, je pense que j'ai un côté leader. Quand j'ai un rêve, quand j'ai le goût d'avancer, d'aller vers quelque chose qui m'allume, je vais trouver les moyens, je vais convaincre les gens autour de moi. Bravo, moi je suis comme toi. Mais Véronique, moi j'ai l'impression que vous avez un autre truc. Alors après, je me trompe peut-être, je tente ma chance, on verra bien. Mais... Allez, on tente. Allez, on tente. J'ai l'impression que vous avez une espèce de capacité de détermination qui est hors norme. Est-ce que je me trompe? Je ne m'en rends pas compte, on me le dit très souvent. Mais moi, je ne m'en rends pas compte. Mais on me le dit très souvent.
Moi, j'ai l'impression que vous êtes fait pour donner de l'énergie à des gens qui n'ont plus d'énergie. Ben, c'est un peu ce que je fais dans mes cours, finalement. J'en donne du bonheur, parce que ça, c'est le mot qui ressort tout le temps. Ils ont la précision d'un travail et d'un cours qui est fait avec beaucoup de rigueur. Donc, les gens n'ont plus mal au dos, se tiennent mieux, etc. En même temps, je leur fais des playlists sur lesquelles je me donne beaucoup de mal. Donc, quelquefois, je leur dis, vous êtes venu écouter de la musique, vous êtes venu travailler. Et donc, entre une très bonne musique, une assez bonne direction de mouvement et un peu d'humour, parce que je les fais un peu rire aussi, ça fait que ça fait un patchwork qui est assez sympathique. Mais si j'ai pas de rigueur, je peux pas donner mon cours. J'ai besoin qu'il y ait de la rigueur. Moi, je vous vois, tous mes élèves, et tous mes élèves me vous voient. Je crois que je suis la seule coach en France qui vous voit ses élèves. Je n'ai jamais tutoyé un élève, hormis quatre amis très proches que je tutoie et qui me tutoient. Mais quand je dis quatre, c'est sur 40 personnes. Ce matin, j'avais 39 personnes dans mon cours. Il y en a deux que je tutoie et c'est tout. Donc, c'est ça. Ça veut dire, c'est comme les parents qu'on vous voit. Ça veut dire qu'il y a une rigueur, il y a un respect. Et un cours, c'est un cours. Un professeur, il donne son cours. On doit être à l'écoute de son professeur. Si le professeur te donne le mal de vous enseigner quelque chose qui va vous faire du bien. Moi, mon objectif, c'est de faire du bien aux gens. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Que ça. C'est très comparable à une classe de ballet, par exemple. Oui, le respect qui existe dans une école de ballet ressemble beaucoup à ça. Moi, quand je prenais des cours de danse classique à Paris, j'en ai pris peu, mais j'en ai pris. On rentrait, j'avais les cheveux très très longs. Le professeur, il parlait même pas. Il me regardait, il faisait cheveux. Ça veut dire que je devais sortir, aller attacher mes cheveux et faire une grosse natte. Après, si je faisais ça, il me disait bracelet. Il y avait une rigueur incroyable. Bon, là, on n'en est plus là maintenant, mais la rigueur dans un cours, elle est importante. Et moi, ce que je trouve génial, c'est les commentaires des élèves qui prennent mon cours. Et je ne parle pas des, entre guillemets, des fans dont je sais qu'elles m'aiment beaucoup. Mais je parle de personnes nouvelles que je n'ai jamais vues. Personnes nouvelles. Ils viennent. Ce matin, j'avais une femme qui est venue pour la première fois. Elle venait de Martinique. Elle m'a dit, mais vous êtes incroyable. Je rêvais de vous rencontrer. Mais je vais regarder, c'est fait maintenant. Elle me dit, mais non, mais c'est catastrophique. Je repars en Martinique. Comment je vais faire? Mais je dis, ben, vous allez penser à moi. Mais c'est incroyable que d'arriver à toucher les gens dans quelque chose qui les touche eux-mêmes. Oui. Ah, c'est magique, ça. C'est vraiment un cadeau. C'est magique. Quand je vois, Véronique, votre histoire, il y a un truc que vous ne dites jamais, que je vais révéler là, mais en même temps... C'est que Véronique est la personne la plus drôle de la Terre. C'est en fait son arme secrète chez Carita. Si on la prenait, c'est parce qu'elle faisait rire tout le monde. Alors, Véronique, c'est quoi votre histoire avec ça? Non, j'ai un peu d'humour. J'avais un père qui était très drôle. J'ai un frère, François-Régis, qui est très, très drôle. On l'invite dans des dîners parce qu'on sait qu'il a toujours un truc à raconter et qu'il est drôle. Moi, j'ai fait une émission sur Sud Radio récemment avec Liane Folly, la chanteuse Liane Folly. Et c'était une émission qui était sur elle, qu'elle dirigeait. J'étais une chroniqueuse dans son émission. Et ça a eu un succès dingue. J'étais juste chargée de faire des blagues au téléphone. Au départ, l'émission, elle a un peu dégénéré. Au départ, j'étais Véronique de Villèle, elle va nous présenter quelques mouvements. Et comme j'avais de l'humour avec Liane, qui est quelqu'un de très, très drôle aussi, on avait une connivence toutes les deux incroyable. Et l'émission, elle a dégénéré. J'ai fait des blagues au téléphone partout. On a fait un bazar toutes les deux sur cette radio. Malheureusement, ça s'est arrêté. Et pour des raisons que j'ignore, mais en tout cas, c'est extrêmement dommage parce que l'humour, je trouve, c'est important dans la vie. Si vous n'avez pas d'humour, si vous n'avez pas... Moi, dans mon cours, tous les jours, je raconte un truc qui va les faire rire. Tous les jours. Je raconte ce que j'ai bouffé hier, le dernier magasin à la mode que j'ai trouvé génial. En général, ça tourne beaucoup autour de la nourriture. Mais un truc que j'adore chez vous au Canada, c'est un chef. Et je suppose que vous devez le connaître, mais alors je suis fan absolu. C'est le chef Michel. Vous connaissez ou pas? Non, je crois pas. Ah, je vous apprends un truc, c'est génial. Est-ce qu'il est au Québec ou il est... Michel est au Québec, il a sa chaîne YouTube, mais je vous en supplie, allez-y. Il est fabuleux, le mec. Alors, il a une façon de parler, il est rapide. Alors, il parle saccadé. Couper, couteau rouge, lavage. Couper, ta-ta-ta-ta. Faire ça. Ah oui, hein? Extraordinaire. Donc voilà, je vais aller voir assurément. Un chef de chez vous, canadien, et je trouve ça génial. C'était à quand le One Moon One Show alors, Véronique? Ça, non, on me l'a demandé plusieurs fois, mais non, franchement, non. Parce que
Mais on me l'a demandé, hein, le producteur justement de Liane Folie m'a dit, j'ai un théâtre, j'ai tout ce que tu veux, j'ai même des gens pour t'aider à écrire. Mais j'ai pas besoin qu'on m'écrive, moi je raconte des histoires, je les écris moi-même. Je fais des sketchs, j'ai fait des sketchs que je mets quelquefois, mais rarement, parce que bon, j'ai pas envie de gonfler les gens. Mais c'est quelque chose que j'adore faire. Quand je suis avec des amis ou en famille, j'ai effectivement assez souvent un truc à raconter et qui est drôle. Vous avez raconté, Luc, l'histoire qui m'était arrivée avec Alain Delon. Ça, les gens sont très friands. Vous voyez, quand si je raconte une histoire avec des gens connus, ils écoutent deux fois plus que si la personne est extraordinaire. Hein, c'est extraordinaire. Je suis donc l'assistante d'Alain Delon. On a encore deux minutes ou pas? Ah, on a. On a. Et Alain Delon part au Japon un soir, et Mireille et moi, Mireille D'Arc, on était censés l'après-midi aller faire du shopping pour lui d'une liste qu'il nous avait donnée de choses dont il avait besoin d'emporter. On part, on revient dans sa maison, il est 6 heures du soir, on pose tout ce qu'on a acheté et on voit Alain Delon. Alors imaginez la méga star Alain Delon qui rentre, il voit tout ce qu'on lui a étalé sur un canapé dans un bureau, il fait « Bah, je vois pas mes caleçons ». Je regarde Mireille, je dis « Merde, on a oublié d'acheter des caleçons ». Et là, on a eu la grande sérénade du grand Alain Delon. « Mais vous pensez à rien, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête ? Foutu, mes caleçons, je pars dans 2 heures, je prends l'avion, etc. » Je l'ai regardé, je lui ai dit « Alain, ne t'énerve pas, ne t'inquiète pas, tu auras tes caleçons ». Et là, il est 6 heures. Il me regarde comme ça, il croise les bras, il me dit « Ah, bah bien sûr !» Mademoiselle de Villèle, à 7 heures du soir, va trouver des caleçons dans Paris. Les magasins attendent Mademoiselle de Villèle. Je lui ai dit, écoute, peu importe, seul le résultat compte. Je te garantis que tu auras des caleçons. Je pars, j'avais 18 ans, j'avais une petite Fiat 500. Je prends ma bagnole et j'arrive aux Champs-Élysées. À l'époque, on se garait, il y avait des contre-allées, ce qui n'est plus le cas maintenant. J'arrive aux Champs-Élysées, il y avait un immense magasin, très connu à l'époque, aux 100 000 chemises. Je fous ma bagnole devant et je vois le type qui descend son rideau. J'arrive, je lui fais signe, je lui dis « Monsieur, s'il vous plaît, il me faut des caleçons ». Il me dit « Passez ». Je rentre, je suis au milieu du magasin, c'est vraiment vrai hein, ce que je vous raconte. Au milieu du magasin et je dis « Il me faut 10 caleçons, blancs ». Très bien. Ça vous va ? Très bien. Quelle taille ? Oh, je lui dis « Je ne sais pas ». Ah là 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 là, catastrophe. Puis là, il n'y a pas de portable, il n'y a pas « Je prends mon téléphone et j'appelle ». Là et là, c'est nada. Hein. Je dis « Ah là 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 là, merde, j'ai pas la taille ». Et là, le monsieur me regarde et me dit « Enfin, écoutez, mademoiselle, il ressemble à Michel Simon ou à Alain Delon ?» Voilà, il ressemble à Alain Delon. C'est une histoire vraie. J'ai ben voilà, ben, c'est exactement ça. Il ressemble à… Ah bon, ben, très bien, alors je connais sa taille à peu près. Et je suis arrivé avec mes caleçons. Et depuis ce jour-là, j'étais très, très bien coté auprès d'Alain, je vous signale. Très, très bien. Vous n'avez jamais dit que c'était bel et bien pour Alain Delon? Non, j'ai pris des caleçons. C'est pas nécessaire. Je dis ça au mec. J'ai 18 ans. Je lui dis, c'est pour Alain Delon. Il me prend pour une folle. Il dit, elle est cinglée, la fille. Elle est cinglée. Donc, j'ai rien dit. J'ai pris mes caleçons. Oh, et les amis pour partir. Mais l'histoire est magnifique. Quand il me dit, mais écoutez, mademoiselle, Michel Simon, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'était un acteur de cinéma très… Oui, c'est ça, plus costaud. Okay. Ah, qui était vraiment imposant et important. Et quand il me demande la différence entre Delon et Michel Simon, non, mais ma tête. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote, mais des anecdotes comme ça, j'en ai 3000 à la seconde. Ah, oh, c'est formidable. Alors, je me demandais quand même, José, de ton côté, en fait, tu te sens plus une enseignante qui a envie de changer le monde ou plutôt une gymnaste qui fait de l'aérobic? Oh, une enseignante. Je me vois plus comme une enseignante. Surtout quand je calcule que j'ai fait ce choix de carrière d'aller vers l'éducation physique et j'ai bifurqué éventuellement vers la télé. Mais même à la télé, je me considère comme une enseignante. Quand je suis invitée sur une émission aujourd'hui, c'est pour parler d'entraînement, c'est pour parler de santé, c'est pour parler pour donner des outils pour vieillir en santé parce que c'est exactement ça. C'est ça qu'on veut maintenant. C'est ce que les gens veulent maintenant. Oui, on veut vieillir, mais on veut vieillir en santé. Et donc, oui, je me vois plus comme une enseignante. Non, la carrière de danseuse, de gymnaste, j'ai jamais vraiment été une gymnaste, mais de danseuse, c'est derrière moi. C'est sûr que, Véronique, vous allez être d'accord, c'est toujours un peu là. Tu sais, moi, aussitôt qu'il y a de la musique ici dans la maison, je danse, j'ai fait danser mes filles partout, dans tous les recoins de la maison. Tu sais, ça va toujours être présent. Je suis au volant, puis il y a une musique qui m'emballe. J'ai la misère à tenir mon volant. Tu sais, ça va toujours être là. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que je suis si bien
dans le domaine où je suis en ce moment, parce qu'il y a toujours de la musique. Et il y a toujours une espèce de rappel à ce monde de la danse. Et je vais toujours à un certain point. Moi aussi, Véronique, l'humour est tellement important et je vais régulièrement me laisser aller dans des moments un peu plus fous, un peu plus même délabrés, un peu clown, parce que je m'en fous, je me fiche un peu de ce que les gens pensent en autant que mon message passe. Bien sûr. J'ai du plaisir et que les gens comprennent que bouger dans le plaisir, c'est la meilleure façon de le faire longtemps. Exact, bravo. Il y a aussi un point commun entre vous deux, un petit point commun pour aller dans le fin de l'émission, c'est si je posais la question à Véronique, vous avez toujours gardé une sorte de ligne parfaite, vous avez fait du sport toute votre vie, mais alors, est-ce que vous faites un régime particulier? Parce que je sais la réponse, mais j'ai envie de l'entendre là. Quel est le régime parfait J'adore la phrase que vous avez dit, que tu as dit, Luc, au début, vous avez des corps parfaits. Parler pour José, moi j'ai pris un peu de poids parce que je mange énormément et puis le Covid n'a rien arrangé du tout, j'ai eu un Covid très sévère en plus, donc vraiment bon, enfin bref, mais effectivement, heureusement que je fais tout le sport et toute l'activité que j'ai, sinon je serais gros, bon là je suis normal en fait, mais je ne fais aucun régime, aucun, au grand désespoir d'amis nutritionnistes ou de médecins avec qui je suis très proche, c'est une catastrophe. Moi, je n'aime que la bonne bouffe. J'aime des pâtes avec de la crème fraîche, avec du fromage. Et j'aime après manger une mousse au chocolat magnifique ou un tiramisu extraordinaire. J'adore la nourriture italienne. J'aime la nourriture française. On a une gastronomie en France qui est exceptionnelle. J'aime la nourriture asiatique quand elle est très, très bonne. Donc, ça veut dire que ça fait quand même beaucoup de choses que j'aime. Donc, en France, on est gâté avec les restaurateurs, les chefs, les restaurants, etc. Donc voilà, donc moi, rentrer et faire deux haricots verts qui se battent en duel dans une question à bouillie, c'est impossible. Alors justement, parce que je pose cette question parce que de temps en temps, je vois les lives forestiers en pleine nature de José. Alors ça me fait rire parce qu'elle dit toujours « Bon, bah écoutez, il est temps de comprendre que c'est fini hein, les régimes comme à la mode d'avant. » là. Alors José, alors on en est où au Québec avec les régimes? Ben moi, je suis convaincue que c'est une tendance plutôt internationale. On essaie de ne plus parler de diète ou de régime parce que on veut penser comme Véronique, c'est-à-dire on veut comprendre que manger, c'est important, premièrement. Pardon? Non, j'ai dit, il faut bien manger, il ne faut pas manger des McDo toute la journée. Non, mais voilà, c'est ça. C'est que manger devrait être agréable. Et on a compris de toute façon avec toutes les recherches maintenant, on sait officiellement, si je peux dire, que de faire une diète ou de faire un régime, après ça, on se met dans le trouble. 98-99% des gens qui font des diètes vont récupérer tout leur poids par la suite et plus. Donc, on n'est plus là, tout simplement. Ouais, je suis d'accord avec vous, avec toi, complètement. C'est le message qui est très, très fort maintenant au Québec. Malheureusement, il y aura toujours des influenceurs pour essayer de promouvoir certaines méthodes, pour essayer de nous convaincre qu'on devrait essayer un régime plus cétogène. Bon, bref, Il faut faire attention, mais point trop n'en faut. La vie, c'est du plaisir. Un bon repas, c'est un partage. Moi, j'adore partager. C'est de la convivialité, c'est magnifique, effectivement, de bouffer des haricots verts bouillis, quoi, en gros. Moi, je crois beaucoup à l'équilibre, à l'importance de l'équilibre dans toutes les sphères de la vie. Et l'alimentation, les repas, ça fait partie, c'est sûr que je suis convaincue, Véronique, que si vous faites un gros plat de pâtes avec une sauce à la crème dont vous parliez tantôt, je suis sûre que vous n'allez pas vous taper le lendemain le même gros repas aussi. Mais je fais mieux. Je mange énormément un plat que j'adore, alors j'en profite, je me fous de ce qu'on m'a dit, c'est pas bon. Si c'est à midi, à partir de ce moment-là jusqu'au lendemain, je ne mange plus rien. Voilà, mais c'est ça l'équilibre. Moi, je fais un repas par jour. Quand j'ai un déjeuner, je ne dîne pas. Ou quand j'ai un dîner, je ne déjeune pas. Voilà. Ça m'aide. Sinon, ce serait une catastrophe. Je donnerais mes cours en djellaba.
Non, moi, je pense que c'est vraiment, premièrement, de s'écouter, d'écouter ce dont on a envie. Bien sûr, bien entendu, bien sûr. Et de créer un équilibre dans toutes les sphères, donc au niveau de l'alimentation et aussi au niveau de l'activité physique. Il faut que ça soit équilibré. Moi, je suis à 2000 à l'heure toute la journée, c'est pas compliqué. 2000 à l'heure toute la journée. Je à droite, à gauche. À moi aussi, je dirais. La fondation Eiselmer, on n'en a pas parlé, mais ça fait 16-17 ans que je suis proche d'un grand professeur qui s'appelle le professeur Dubois, le docteur de la Doucette, pour la fondation pour la recherche sur la maladie d'Eiselmer. Donc, il y a un gala tous les ans que je présente sur scène, à l'Olympia ou ailleurs, et il faut le préparer. On fait beaucoup de réunions pour rapporter de l'argent à la recherche. Là, il y a eu un énorme concours de pétanque, parce que je suis folle de pétanque, dans le bois de Boulogne, avec tous les chercheurs, des énormes sociétés, des entreprises qui sont venues pour jouer et pour apporter de l'argent à la recherche. Donc ça, sont des choses très joyeuses, mais il faut les organiser, donc ça ne tombe pas du ciel. Et puis voilà, et puis j'ai les enfants malades qui me prennent beaucoup aussi. Il y a la fondation L'Envol, dont je m'occupe, il y a les enfants Star et Match. Je pars à Nice, où il y a un gala pour les enfants malades avec des grosses pathologies, cancer, leucémie, etc. Et je suis très proche de l'organisateur. Il y a des gens extraordinaires. Fabrice Ravo, c'est un type absolument fabuleux. Il fait tout pour les enfants malades, pas compliqué, tout. Et c'est si de par ma notoriété, je peux aider, alors c'est quelquefois, c'est rien, c'est juste aller et être présent. Oui. Les journalistes sont contents, ils font une photo, et c'est un petit plus pour la fondation, que ce soit la fondation de recherche à Eiselmer, ou L'Envol, ou son fan Star et Match. Donc voilà, il faut se donner du mal. Si on veut obtenir quelque chose, je pense qu'il faut se donner du mal quand même. Oui. Si on veut changer le monde, comme Luc le proposait tantôt. Non, je ne veux pas changer le monde, je m'en fous. Moi, je veux que je vois que les gens soient contents et j'ai envie, moi, de bien vivre et de profiter de ma famille, c'est primordial, et de mes amis, c'est primordial aussi. Et quand on a ça, ben voilà, il ne faut pas être malade. En fait, la seule bénédiction du ciel, c'est que Dieu nous protège de ne pas être malade. La maladie, il n'y a pas de plus. Mais à la fois, Véronique, quand même, vous dites « je m'en fous », et c'était un peu écrit sur votre t-shirt, j'avais sélectionné cette affiche avec cette photo « je m'en fous » parce que je l'ai trouvé génial. En même temps, vous en foutez pas tant que ça parce que finalement, vous vous donnez quand même beaucoup pour plein de causes. Et José aussi, en fait, de son côté, elle fait exactement pareil que vous. Je sais, vous me l'avez dit, c'est pour ça que je parle de ça. Et donc, José, en fait, de ton côté, en fait, toi aussi, tu as un rapport avec l'enfant. Oui, ben c'est ça. C'est que moi aussi, je m'implique auprès d'une organisation qui s'appelle ici Opération Enfant Soleil. Bravo. C'est géant, géant. C'est une organisation qui a plus de 25 ans ici au Québec. Moi, je suis impliquée avec eux depuis plus de 15 ans. Et c'est le même principe. C'est des télétons. Des levées de fonds partout à travers le Québec. Je suis impliquée avec plusieurs personnalités québécoises. On fait beaucoup de, diverses levées de fonds, mais c'est une cause qui me touche énormément parce que un peu comme L'Envol, on cherche à aider des enfants qui souffrent de graves maladies chroniques, des enfants qui ont des maladies incurables, et on essaie d'honorer leur courage aussi. Donc, bref, je pourrais vous en parler longtemps, mais c'est une organisation ici au Québec qui est reconnue comme la plus, importante, que les gens reconnaissent le plus. C'est celle en laquelle le public québécois a le plus confiance. Et ça, c'est énorme, hein, en parler tant que En France, on appelle ça reconnu d'utilité publique. Si c'est comme ma fondation Eiselmer, c'est reconnu. Ça veut dire que les gens ont confiance. On sait que si on a 10 euros pour aider la recherche, on sait où ça va aller. Exactement. Il y a des machins qui vont partir à droite ou oui, c'est ça. Il y a le Téléthon là, qui arrive le 4 décembre en France. Je suis la marraine cette année. Il va y avoir un énorme concours de pétanque, encore la pétanque. Place de l'Étoile, vous imaginez? Ça va être exceptionnel. Wow. Exceptionnel. Donc, j'invite tous les gens qui nous écoutent et qui habitent pas loin de venir. Allez, venez jouer à la pétanque avec moi et je vous ferai une bonne action. S'il y a des Québécois qui sont à l'écoute, qui sont en France, à Paris, qui viennent, vous savez où vous pointez, où vous tirez. Ça dépend si on pointe ou on tire. Non, moi, je pointe. Alors, pour finir cette émission, ce que je vous propose, c'est de vous poser une question simple qui me semble, a priori, le bon résumé de notre histoire de Good Karma. José, si tu avais une jeune personne devant toi qui a envie de faire un peu comme toi, quel conseil tu lui donnerais aujourd'hui pour se lancer dans une carrière comme la tienne? Ah, mais je lui dirais probablement premièrement, d'y croire.
et d'aller vers ses passions, vers ce qu'elle sent comme une mission, mais concrètement, d'aller faire des formations, d'aller dans des congrès, d'aller voir qu'est-ce qui se fait partout dans le monde, justement, parce que c'est la clé. Parce qu'aujourd'hui, on est tous ensemble, virtuellement ou autre, mais je lui dirais de s'informer, de s'éduquer, d'aller faire des certifications, mais surtout d'y croire, de croire à ses rêves, carrément. Et qu'est-ce que tu lui dirais de jamais faire? De ne pas y croire. C'est facile, ça. Je lui dirais de ne pas écouter tous les autres, incluant sa petite vilaine voix qui lui dit de ne pas y aller, qu'elle peut pas, que c'est trop compliqué, que c'est trop risqué. Non, je lui dirais de faire taire cette petite voix-là. Et vous, Véronique, alors si vous deviez donner un conseil à une jeune future comme vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Malheureusement, je vais rejoindre tout ce que vient de dire José, parce que je partage ce qu'elle vient de dire. C'est, en premier, c'est d'y croire. Donc, les gens croient en eux. Ils ont des capacités. Qu'ils aillent vers une formation, c'est très important. Mais moi, je pense, j'ajouterais, il faut essayer, il faut toujours aller vers les bonnes personnes. Alors, il ne faut pas s'entourer de gens qui sont négatifs, qui sont ringards. Aller vers le beau. Et ça, c'est franchement, je pense que c'est très, très important, mais très important. Aller, il y avait une chanson de Johnny Hallyday, un titre qui est magnifique, c'est « Donner l'envie d'avoir envie ». Il faut avoir des gens qui vont vous donner l'envie d'avoir envie de ce que vous faites. Vous aimez la gym, faites de la gym. Vous voulez chanter, chantez. Mais en tout cas, croyez en vous et avancez. Ne faites pas « Oh non, je ne pourrais pas ». Moi, je déteste les gens dans la vie. J'ai des choses comme ça, je suis très rude. Je déteste les gens radins, ça me rend folle, mais dingue, mais dingue. Et je déteste les gens à qui on dit est-ce que tu peux ? Ah non, je ne peux pas. Qui répondent avant même que vous ayez posé votre question ou votre phrase, qui vous disent ah non. Ah ben non, ça, alors là, je ne peux pas. Avant même d'avoir réfléchi. C'est tout. On peut tout dans la vie. Si on le fait avec son cœur et avec honnêteté, l'honnêteté pour moi est primordiale, et ben vous arriverez à faire tout ce dont vous avez envie. Exactement. C'est sûr, j'en suis certaine. Alors, il y a peut-être des gens qui vont dire, oh, elle est marrante, elle donne ses ordres, elle nous dit que, etc. Non, moi, j'y crois. Donc, si vous croyez en moi, ben, croyez en vous. Ah, c'est très, très bon. Savoir bien s'entourer, c'est tellement important. Bien évidemment. Et puis, aller vers des gens qui vont vous donner l'envie. Si vous avez une bonne personne dans un dîner qui va dire, oh, c'est génial, ton idée, là, vas-y, fais-le. Ça, c'est quelqu'un qui est bénéfique pour vous. Alors, faites-le. Et si vous avez 12 personnes à table qui vous disent « Oh là là, moi, j'y crois pas. Ton... Oh là là, les complications dans lesquelles tu vas. Oh là là !» Eh bien, évitez ces gens-là. Évitez-les. C'est très vrai. Mesdames, je vous remercie pour ce moment exceptionnel qu'on a passé ensemble. Oui, déjà. Oh là là, déjà. Je trouve qu'on a passé un moment magnifique. Oui. Un moment à 5500 km l'un de l'autre. C'est incroyable. Merci, José, parce que... c'était pas fait et je te remercie d'y avoir cru. Merci Véronique d'avoir accepté de descendre de l'endroit où vous étiez pour dire allez petit Luc, on va essayer pour voir. Est-ce que vous avez un mot de la fin toutes les deux, toi José, t'as un mot de la fin? Ben moi je vais d'abord dire merci à Luc pour cette initiative folle. Je me sens tellement gâtée justement d'avoir été invitée par Luc. Je me sens gâtée que tu aies remarqué mon travail ici au Québec. Ça me touche énormément. Et là, voilà que j'ai un rêve qui est d'aller vous voir, les amis. J'aimerais beaucoup aller vous visiter. Ça fait longtemps que je rêve d'aller propulser notre plateforme qui s'appelle Ma Zone Fit vers la France. J'aimerais aller vous rencontrer, Véronique. Ça serait un honneur de partager un micro. Ça serait fou de partager une scène. Ça serait encore plus fou. Mais comme mot de la fin, en fait, je vais vous dire merci. Je vais vous dire bravo, Véronique, pour votre travail incroyable, votre rôle géant dans la santé des Français, dans la santé des gens partout dans le monde qui vous ont suivi, qui vous suivent encore. Vous êtes une personne extraordinaire et moi, je vais maintenant m'inspirer de vous encore pour poursuivre comme vous ma carrière. Alors, José, vous êtes magnifique.
Je le pense sincèrement. Vous avez une joie de vivre qui est absolument géniale et communicative. Et je suis très, très heureuse de vous avoir rencontré. Donc, évidemment, tous mes remerciements vont à Luc qui a eu la bonne idée de m'appeler, me dire « Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. » J'ai dit « Alors, maintenant, je vous connais. Qu'est-ce que vous voulez ?» Il m'a dit « Voilà, on a une star au Canada, au Québec. Il m'a parlé de vous et ce serait peut-être amusant de faire une rencontre. » Mais je lui ai dit « Mais quand vous voulez ?» Donc, déjà, il m'a donné l'envie de lui dire oui tout de suite. J'ai trouvé que l'idée était géniale. Donc, Luc, mille fois merci. J'espère que tous vos auditeurs auront été contents et nos petits secrets les auront amusés. J'espère qu'ils pourront le retrouver sur les réseaux et le voir en boucle. Mais j'espère surtout que j'ai réussi, avec ces petits propos, de donner aux gens d'avoir l'envie. L'envie de faire quelque chose, comme vous le disiez, comme tu disais, José. Leur donner envie. N'abandonnez pas rien. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de physique. Il y a juste qu'il y a dans votre cœur et dans votre tête. Oui. Foncez et faites-le. C'est mon mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Ben, vous pouvez effectivement retrouver probablement dans peu de temps l'émission sur YouTube, sur la chaîne Cœur & Co. Vous pouvez aller visiter le site de Véronique de Villèle dont elle parlait tout à l'heure, son nouveau site véroniquedevillèle.com, c'est ça ? Oui. Alors, vous pouvez découvrir aussi Amazonfit, le gros site portail qui a eu cette intelligence d'apparaître juste avant le Covid et qui a permis à plein de gens de pouvoir faire du sport. Merci José aussi. Hein, d'avoir été comme ça, toujours présent, d'avoir donné gratuitement ces lives pendant le Covid pour que les gens puissent danser et bouger. Merci à vous tous. Je vous remercie, mesdames. J'espère à très bientôt. Merci beaucoup, beaucoup. J'espère à très bientôt. Merci.